Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre que nous sommes ravis d'organiser en partenariat avec la librairie Ombre Blanche. Nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir Geneviève Azam, donc économiste. Donc connue de vous apparemment, ce qui n'est pas étonnant. Et donc Christophe Bonneuil, qui est directeur notamment de la collection Anthropocène aux éditions du Seuil. Et ils viennent donc nous présenter notamment le dernier ouvrage publié, enfin, ou un des derniers ouvrages, je ne sais pas, publié dans le cadre de cette collection, Crime climatique Stop, l'appel de la société civile. De nombreuses personnes ont collaboré à l'écriture de cet ouvrage. Donc nous avons la chance d'avoir deux personnalités importantes qui vont dialoguer environ pendant une heure pour vous apporter des éléments d'information et de débats éventuels, évidemment, débats d'actualité. C'est bien pour ça que vous êtes ici. Et ensuite, on aura un temps d'échange dans la salle, puisque c'est l'idée de ces présentations, c'est évidemment d'apporter des informations, mais aussi de pouvoir s'exprimer, débattre ensemble. Et vous pourrez ensuite acheter des ouvrages à la sortie de la salle. La librairie a apporté un certain nombre d'ouvrages qui sont en vente. Pour ceux qui ne peuvent pas ou veulent pas... ou le feront plus tard, nous avons aussi des ouvrages dans nos collections, puisque nous sommes ici à la médiathèque, donc vous pouvez aussi les emprunter et les consulter sur place. Et vous dédicacerez peut-être, ce sera aussi l'occasion d'échanger de façon un peu plus individuelle après la séance. Donc pas de modérateur aujourd'hui, les deux intervenants vont dialoguer, mais ils ont bien préparé leur séance, et puis de toute façon vous serez là pour qu'ils puissent compléter ce débat. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, et c'est vrai qu'on est un peu complice d'un certain nombre de duos dans des interventions publiques, et puis que le livre est né de discussions qu'on a pu avoir il y a 2 ans. Ce livre, en fait, est né d'échanges avec des personnes d'Attac, Geneviève, Maxime Combe, de 350.org, Bill McKibben, Nicolas Héringer, Naomi Klein, et d'autres personnes de la société civile mondiale, Vandana Shiva, Pablo Solon, qui était l'ancien ambassadeur de la Bolivie sur les questions climatiques au moment de la conférence de Copenhague, Nimo Basset, qui est... au Nigeria et qui était l'ancien président des Amis de la Terre mondiale, un ensemble de personnes engagées sur ces questions depuis longtemps et qui pressentaient déjà il y a 1 an, 2 ans que la COP21, donc la conférence climat qui a lieu dans 3 semaines, n'allait pas être à la hauteur, allait être peut-être un écran de fumée. Et donc on anticipait qu'il allait falloir jeter un pavé dans la mare, pousser un peu les décideurs aux fesses pour qu'il se passe quelque chose, d'où l'idée de sortir ce livre bien avant la COP. Il est sorti fin août, comme une alerte, comme une revendication de la société civile mondiale. Et il y a 2 messages forts dans le livre. Le premier, c'est que toutes les négociations ne parlent que des émissions, c'est-à-dire on pense la question du climat par le bout du tuyau de la cheminée, alors qu'il y a une grande machine à réchauffer la planète qui ne se limite pas. Si vous avez une marmite qui déborde, vous ne mettez pas juste un couvercle pour régler la question. Vous allez éventuellement baisser le feu. Et c'est justement ces questions-là qui sont en amont des émissions, l'organisation de l'économie mondiale, nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de développement, combien on extrait d'énergie fossile du sol, puisque tout ce qui est extrait est brûlé. Et on s'est aperçu, c'est une publication dans la revue Nature en janvier 2015, donc c'est une idée qui était formulée par la société civile depuis longtemps, mais qui est maintenant validée par les scientifiques, que l'ensemble des réserves d'énergie fossile connue aujourd'hui est suffisante pour faire péter 5 fois la planète. C'est-à-dire qu'on a 5 fois trop d'énergie fossile par rapport à ce qu'il faudrait pouvoir extraire et brûler pour ne pas dépasser la trajectoire des maximum plus de 2 degrés de réchauffement climatique global. Alors on va revenir un petit peu sur toutes ces questions-là, mais simplement pour vous dire que le message du livre, qui est accompagné d'un appel qui a été signé par environ 20 000 personnes, et il y a encore un site où vous pouvez le signer, ça consiste à dire aux dirigeants du monde, on ne peut pas régler la question climatique que si on ne la voit que comme un problème en bout de cheminée. Il faut aussi regarder ce qu'on extrait et se mettre d'accord pour extraire 5 fois moins, pour laisser dans le sol 80% des réserves d'énergie fossile. Ça, c'est la proposition dont personne ne veut, dont aucun décideur ne parle, qui n'est absolument pas à l'ordre du jour de la COP 1, 2, 3, jusqu'à 21. On espère que peut-être à la 22, on commencera à parler de ces choses-là sérieusement. Mais c'est très étrange parce que dans tous les accords environnementaux où on a voulu régler les choses un peu sérieusement, on a essayé aussi de réguler à la source. Regardez le traité de non-prolifération nucléaire. On n'interdit pas simplement, on ne contrôle pas simplement qui fait une bombinette, mais on contrôle aussi dans ces accords de non-prolifération, n'importe quel pays n'a pas le droit d'extraire de l'uranium n'importe comment, etc. Si vous regardez les accords sur la biodiversité, la convention CITES, elle ne vous interdit pas seulement d'avoir un jeu d'échecs en ivoire, elle interdit le commerce international d'ivoire et elle interdit le braconnage. Il y a des luttes contre le braconnage à la source. On pourrait donner énormément d'exemples. Donc pourquoi sur la question climat, on ne regarde que le bout de la cheminée, alors que partout ailleurs où on a voulu regarder, réguler des problèmes sérieusement, on a régulé les choses aussi à la source. Donc pourquoi cet aveuglement des décideurs, des chefs d'État, ce refus de réguler combien on extrait du sol. Donc il y a ce message fort qui est porté par le livre, qui est porté par l'appel, qui est porté par des mouvements anti-extractivistes à travers le monde, en Amazonie, dans la boucle du Niger depuis plus de 20 ans, de laisser les 4/5 de nos ressources dans le sol. Le deuxième message fort renvoie au titre, crime climatique. Pourquoi ce mot de crime ? Est-ce que c'est une dramatisation, une surenchère gauchiste, écolo, radicale, ultra-décroissante ? En fait, non. Crime, d'abord, c'est pas meurtre. Hein. Un crime, ça veut dire un acte qui est moralement répréhensible ou alors qui est interdit par la loi. Et crime, ça renvoie au vocabulaire de la justice. Ça renvoie à l'idée qu'il y a des victimes. On a aujourd'hui 20 millions de réfugiés climatiques dans le monde, il y a 2 fois plus de réfugiés environnementaux que de réfugiés de guerre. L'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques en 2050 au rythme actuel des émissions. Et donc, la trajectoire actuelle d'émissions que nous prenons, même avec les plus 3 degrés qui sont pour l'instant sur la table des négociations de Paris, ça nous emmène à des centaines de millions de personnes qui sont obligées de quitter leur domicile, qui se retrouvent sur les routes, qui sont dans la misère, des familles séparées, etc., etc. Il y a des personnes qui sont profondément, dont la vie va être profondément bouleversée, violentée par nos émissions, par les émissions qui sont en surplus par rapport à l'objectif de 2 degrés ou de 1,5 degrés. Donc comment ces personnes qui sont des victimes peuvent demander des comptes à ceux qui sont responsables? Comment on installe des mécanismes de responsabilité par rapport à ça? C'est ça aussi la question qu'on souhaitait poser, parce que finalement, un monde à plus 3 degrés de température, c'est un monde, c'est pas du tout le même monde qu'aujourd'hui, hein. C'est un monde avec des centaines de millions de personnes sur les routes, avec des tensions géopolitiques extrêmement fortes. Il y a un livre qui a essayé d'imaginer ce futur-là, ça s'appelle « Les guerres du climat » de Harald Welser. Il a pris des scénarios prospectifs du Pentagone, de l'armée allemande, parce que les militaires réfléchissent déjà à ça, hein, pour mieux barricader les pays riches, pour, etc. Et c'est un monde finalement qui est, apparaît plus barbare que ce qu'a été le XXe siècle. C'est un monde dans lequel un certain nombre de droits humains qu'on a conquis depuis 2 siècles sont menacés. C'est un monde dans lequel nos démocraties peuvent être profondément affaiblies. On aura de plus en plus de mal à contrôler les appareils militaires, les appareils répressifs, les élites du capitalisme néolibéral débridé. Dans ce monde d'agitation et de crise environnementale, il y a des forts risques de recul social et de recul démocratique. Et donc ce que dit notamment Desmond Tutu dans la préface du livre, il dit « Le changement climatique, c'est pas uniquement un problème environnemental. Ça devient un problème fondamental de droits humains. Un problème de défense d'un certain type de société solidaire, démocratique que nous souhaitons. Donc, ça s'inscrit dans la lignée des luttes contre l'esclavage autour de 1800, dans la lignée des luttes pour conquérir des droits socio-économiques fin 19e, 20e siècle, dans la lignée des luttes contre l'apartheid en Afrique du Sud, puisque Desmond Tutu était cardinal engagé dans cette lutte. Et pourquoi crime aussi? Parce que, en lien avec cette problématique de la responsabilité de victime, ben, il y a un travail de juristes spécialistes de l'environnement qui cherche à qualifier les crimes environnementaux. Il y a un livre qui est récemment sorti qui s'appelle « Des éco-crimes à l'écocide ». Il y a un article dans le livre d'une juriste de l'association End Ecocide on Earth qui propose de réformer le statut de la Cour pénale internationale pour qu'un 5e chef d'inculpation puisse être admis, en plus des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, j'ai oublié le 4e chef d'inculpation actuel, d'introduire un crime d'écocide, c'est-à-dire de destruction grave, transnationale et relativement irréversible d'un territoire assez vaste qui est l'habitat d'un ensemble de populations qui du coup perdraient leurs moyens d'existence par la transformation de cet habitat. Et la proposition de End Ecocide on Earth, c'est de faire reconnaître ce crime d'écocide, de faire en sorte que des populations affectées, des victimes des îles pacifiques qui vont disparaître, de la région d'une delta du Niger qui va se retrouver même avec 50 cm, hein, c'est un scénario plutôt optimiste pour la fin du XXIe siècle, se retrouverait à être des dizaines de millions de personnes à devoir partir au Bangladesh, pour que ces victimes puissent demander justice. Et il faut savoir que depuis 1850, évidemment, on est tous responsables ici par nos modes de vie, nos déplacements, etc. Mais malgré tout, il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Il y a 90 entités des entreprises d'énergie fossile, notamment, ou de ciment, qui sont responsables des 2 tiers des émissions à l'échelle de la planète. Donc voilà, on a voulu vraiment porter ce pavé dans la mare pour poser la question de laisser dans le sol les énergies fossiles pour apprendre à vivre autrement. Et ça, ça renvoie à toute la question de la domination de la nature, de notre civilisation extractiviste depuis plusieurs siècles. Et du coup, ça m'amène à passer la parole à Geneviève. Merci Christophe. Alors, je vais revenir sur ce qu'est le réchauffement climatique à partir de ce qu'a dit Christophe et ce qui distingue aussi le réchauffement climatique des autres catastrophes, je peux dire, que nous avons à affronter. Nous avons parlé, l'introduction du livre a été rédigée, elle était une belle introduction, par Desmond Tutu, qui, bien entendu, s'inspire de sa lutte contre l'apartheid et il nous dit comment... l'abandon de l'apartheid en Afrique du Sud a été aussi le résultat d'une très grande mobilisation internationale qui est passée par le boycott, qui est passée par des mouvements pour le désinvestissement en Afrique du Sud, de manière à affaiblir l'Afrique du Sud. Et nous dit-il, ça a été un élément extrêmement important pour lutter contre l'apartheid. Alors évidemment, nous sommes engagés aussi dans un mouvement de désinvestissement dans les énergies fossiles. Nous en reparlerons un petit peu sur le modèle justement de ce qui a été fait pour l'apartheid, c'est-à-dire des citoyens qui s'emparent du sujet, qui font des campagnes de sensibilisation, qui s'adressent également aux investisseurs pour leur dire il faut définitivement arrêter, diminuer tout de suite les investissements dans les énergies fossiles. Juste un exemple, nous avons une grande banque en France qui s'appelle la BNP Paribas, qui est la première banque française pour ses investissements dans les énergies fossiles, c'est-à-dire climaticides, et qui est la 5e au monde. C'est bien sûr pour nous une cible extrêmement importante. Toutefois, on ne peut pas en rester à cette analyse-là concernant le réchauffement climatique, parce qu'il a une particularité que n'avaient pas d'autres événements, même très dramatiques dans notre histoire. Le réchauffement climatique, il est irréversible. Actuellement, nous vivons dans un monde qui, par rapport au 19e siècle, s'est réchauffé seulement de 0,85 degrés, c'est-à-dire même pas 1. Donc nous citons toujours ce chiffre parce qu'il permet de comprendre ce que signifie l'objectif des 2 degrés maximum. Déjà à plus 0,85, nous voyons les dégâts de ce réchauffement, les glaciers qui fondent. On a eu l'information ces jours-ci concernant le glacier du Mont Blanc qui, dans la seule année 2015, a perdu 3 mètres d'épaisseur. Les glaciers, ce sont nos approvisionnements en eau. Les Alpes, c'est vraiment le château d'eau de l'Europe. C'est là que prennent leur source les grands fleuves européens qui permettent justement à la fois l'irrigation, le fait que nous puissions boire, etc., etc. Donc, fonte des glaciers, fonte de la banquise, etc. Cela, vous le connaissez déjà. Et seulement 0,85. Donc, nous sommes engagés dans le processus du réchauffement climatique. Et contrairement à l'apartheid, nous ne pouvons pas décider à l'intérieur d'une négociation de l'arrêter parce que maintenant, nous en avons assez du réchauffement climatique ou qu'il y aurait un rapport de force à l'extérieur. Le réchauffement climatique, il est irréversible. Nous pouvons simplement le freiner. Nous devons absolument le freiner. Et nous devons imaginer également comment nous adapter à ce changement climatique qui est déjà là. C'est déjà un défi absolument énorme. Et la crise climatique, le réchauffement climatique n'est pas négociable. Je ne peux pas négocier avec la Terre la quantité de gaz à effet de serre qui sont déjà concentrés dans l'atmosphère. Ils y sont. Et il y a déjà le cycle du carbone est déjà perturbé. Ça, nous ne pouvons pas le négocier. Nous ne pouvons pas décider que désormais, l'atome de carbone ou la molécule de carbone aurait une durée de vie qui serait très inférieure à ce qu'elle est et ainsi nous sortir du mauvais pas dans lequel nous sommes. Ça, ce sont des choses très importantes qui exigent de nous, et c'est ça peut-être tout l'intérêt que nous avons à tirer de cet épisode que nous vivons du réchauffement climatique. Ça exige de nous véritablement une révolution de la pensée. Parce que tout ce qui nous est arrivé jusqu'ici pouvait être pensé comme réversible, même si il y avait des dégâts humains ou des dégâts écologiques extrêmement graves, le processus pouvait être réversible, y compris les catastrophes du XXe siècle, malgré toutes leurs horreurs. Là, ce n'est pas réversible. Et il y a un autre problème qui se pose à nous, c'est que nous savons désormais que passer certains seuils, le réchauffement climatique peut devenir totalement immaîtrisable. Ce sont les boucles de rétroaction. Certaines, les plus connues, c'est la fonte du permafrost qui est la conséquence du réchauffement des terres qui entourent les pôles et qui libère un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Ce n'est pas du CO2, c'est du méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre qui provoque aussi le réchauffement et qui est encore plus puissant que le carbone. C'est aussi, par exemple, la fonte de la banquise qui, outre le fait que ça engendre l'augmentation du niveau des océans, fait que la partie blanche de la Terre diminue. Or, cette partie blanche est absolument centrale pour renvoyer le rayonnement solaire. Et donc, la fonte de la banquise, en plus d'augmenter les océans, accélère finalement, accélérerait encore plus le réchauffement climatique. Et nous savons aussi que ce réchauffement climatique, il est d'origine anthropique, il est dû aux activités humaines. Là, il n'y a plus de controverse honnête sur ce sujet-là. Le dernier rapport du GIEC nous dit qu'à 96% de probabilité, le réchauffement climatique actuel est d'origine anthropique. Et donc, nous voyons bien que nous sommes confrontés à quelque chose que nous avons produit, le réchauffement climatique, sans que nous puissions aujourd'hui penser à comment nous pourrions le maîtriser si nous passons ces fameux seuils. Et donc, évidemment, le réchauffement climatique nous impose de raisonner non plus comme si nous pouvions de manière illimitée extraire les énergies fossiles du sol, continuer notre système de production et de consommation. Il nous indique des limites non négociables. Des limites qui nous sont imposées par des lois naturelles que nous ne maîtrisons absolument pas, que certains rêvent de pouvoir maîtriser, mais ce sont des limites qui ne sont pas négociables. Je donne un exemple de limite. Christophe a parlé des 80% de fossiles dans le sol. Comment ça a été calculé? Ce qu'ont calculé les scientifiques, et pas seulement le GIEC, également l'Agence internationale de l'énergie, ils ont lancé une alerte en 2011. Et ce ne sont pas des écologistes convaincus, hein, l'Agence internationale de l'énergie. Ils ont toujours défendu des modèles plutôt productivistes. Eh bien, ce qu'ils disent dans leur rapport de 2011, c'est que pour rester en dessous des 2 degrés, vraiment en dessous, à l'échelle 2100, ce qui est l'objectif fixé par la communauté internationale, eh bien, il nous reste à émettre 1000 gigatonnes, c'est-à-dire 1000 milliards de tonnes de CO2, jusqu'en 2100. C'est notre budget carbone. Ce budget-là, nous ne pouvons pas revendiquer pour en avoir un peu plus. C'est de notre ordre la lutte que nous avons à faire. Nous ne pouvons pas exiger un plus grand budget carbone ou alors nous acceptons de passer la barre des 2 degrés. Donc nous avons 1000 gigatonnes. Or, si nous exploitions les ressources en énergie fossile qui sont actuellement sous le sol, du pétrole, du charbon, du gaz de schiste, huile de schiste, etc., ce serait plus de 5000 milliards de tonnes, 5000 gigatonnes, qui seraient émises. Voilà pourquoi, si nous voulons rester en dessous des 2 degrés, nous avons un budget qui est d'ordre géophysique, un budget qui est de 1000 gigatonnes. Et selon nous, les négociations internationales devraient porter sur comment, au niveau de la justice internationale, comment entre tous les États, en fonction de nos émissions historiques, les pays du Nord, les pays industriels, sont responsables, étaient responsables il y a encore 10 ans de presque 80% de la concentration des émissions dans l'atmosphère. Comment pouvons-nous nous répartir de manière juste ces émissions et donc comment devons-nous modifier nos systèmes de production et de consommation pour arriver à se tenir dans ce budget carbone? Voilà une limite qui n'est pas négociable. Or, ce qui se passe, c'est que j'y reviendrai quand je parlerai des négociations. Mais vous savez que nous sommes aujourd'hui sur la trajectoire, si nous ne faisons rien, nous sommes sur la trajectoire des 4-6 degrés à l'échelle 2100. 4-6 degrés, ça peut paraître très peu. C'est la différence de température qu'il y a eu entre une ère glaciaire, entre la dernière ère glaciaire et l'ère interglaciaire. 4 à 6 degrés, c'est une moyenne de température globale. Donc ce serait 4-6 degrés pour 2100. Et si nous avons un objectif, enfin, si nous allons vers les 3 degrés, ce qui va être sans doute le résultat de la conférence de Paris, alors, et là ce sont des derniers calculs des Nations Unies qui nous le disent, Si nous allons vers les 3 degrés, cela voudrait dire que nous avons consommé 75% de notre budget carbone avant 2030. Qu'il ne resterait plus que 25% du budget de 2030 à 2100. Ceci pour dire que c'est par rapport à des limites de ce type que nous devons absolument affronter cette crise climatique que nous avons devant nous. Et je termine en disant que par rapport aux négociations, nous en reparlerons. Vous devez entendre dire à la radio que bien sûr l'objectif de 2 degrés ne va pas être, on ne va pas y arriver ce coup-ci en 2015 à Paris, mais que ce n'est pas grave parce que c'est un premier pas. J'espère qu'avec ce que je vous ai dit, qu'on comprend que en matière de réchauffement climatique, il n'y a pas de premier pas, ou bien les premiers pas sont les plus difficiles. C'est ce que disait l'Agence internationale de l'énergie. C'est dans les 10 ans qui viennent que nous avons les efforts les plus importants à faire pour être sûrs ensuite de pouvoir véritablement atteindre l'objectif. Parce que tout ce que nous allons émettre dans les 10 prochaines années, ça va s'accumuler dans l'atmosphère. Et l'origine du réchauffement climatique, ce n'est pas nos émissions annuelles. L'origine du réchauffement climatique, c'est tout ce qui est concentré dans l'atmosphère. Or, si nous allons vers les 3 degrés, au lieu d'émettre chaque année, en 2030, au lieu d'émettre, il faudrait émettre à peu près 40 gigatonnes de CO2 en 2030. Et en fait, si nous allons sur une trajectoire de 3 degrés, nous serons à 56 gigatonnes. Voilà pourquoi nous consommerons de manière accélérée ce budget carbone qui n'est pas un budget élastique. Donc je crois que là, cela nous renvoie quand même, c'est une véritable changement de civilisation qui est requis. Et c'est un surcroît de conscience pour nous, un sursaut de conscience, sans doute un réveil civilisationnel, parce que l'humanité, et pas seulement l'humanité, mais les espèces vivantes, hein, leur pérennité sur la Terre ne va plus de soi, et ceci à une échelle assez courte. Parce que tous les changements climatiques qu'il y a eu dans les périodes précédentes se sont opérés sur des milliers, voire des millions d'années. Le défi, là, c'est que ce sont des changements importants en température et sur un temps très court. Donc, évidemment, se pose à nouveau la question de la responsabilité. Nous avons une responsabilité par rapport aux humains, par rapport aux écosystèmes qui abritent justement toutes ces sociétés qui ont été construites, cette multitude de cultures, cette richesse qu'il y a au niveau des cultures, parce que ce qui est menacé, ce ne sont pas seulement les écosystèmes, mais aussi les sociosystèmes. Regardons aujourd'hui le problème des Inuits, hein, qui sont totalement menacés par la fonte de la banquise, et par la course à l'extraction du pétrole dans cette région-là. Donc, désormais, nous avons notre responsabilité est à nouveau interrogée de manière cruciale par rapport à la crise climatique. Et c'est Christophe qui va poursuivre sur ces questions de responsabilité. Oui, peut-être pour les éléments les plus techniques, on n'est pas des scientifiques, Geneviève et moi. Dans le livre, il y a un chapitre qui est fait par 2 climatologues, Valérie Masson-Delmotte et Jean Jouzel, qui est le premier chapitre où, pour ces aspects-là de vulgarisation de l'état des connaissances sur le changement climatique et des impacts potentiels, y compris en France, on vous renvoie à ce chapitre-là. Pour reprendre ce que tu dis sur l'irréversibilité, et si on prend aussi la mesure de rentrer dans un monde avec des centaines de millions de gens qui sont chassés de chez eux, avec des grandes villes comme New York qui se retrouvent aux prises avec des phénomènes naturels extrêmement violents, donc on croyait vivre dans un monde stable, et de se retrouver avec une nature violente qui nous revient en boomerang, d'une certaine façon, ça signe l'échec ou le fracas de la promesse de progrès, de la modernité industrielle, de ce rêve, cette promesse qui était de marcher vers le progrès, de rentrer dans l'histoire en sortant de la nature, en s'arrachant en s'émancipant de tous les déterminismes naturels. C'était ça la promesse de l'idéologie du progrès depuis 2 siècles de capitalisme industriel. D'ailleurs, cette idéologie étant reprise par les variantes socialistes au XXe siècle, finalement, avec l'arrivée de ces phénomènes climatiques violents qui bouleversent nos vies, qui bouleversent nos systèmes sociaux et politiques, on a un retour de la nature dont on croyait s'être libéré. Et finalement, on se retrouve dans la faillite de cette croyance dans la possibilité de s'arracher à la nature. C'est ton livre d'ailleurs, « Osons rester humains », hein, qui est une sorte de philosophie de cette vulnérabilité, comment vivre avec notre fragilité, ne pas être dans la toute-puissance, d'être au contraire dans une acceptation humble de notre vulnérabilité, des liens qui nous lient au reste du monde, aux autres humains et à la nature, de façon à repenser notre liberté comme autre chose qu'un arrachement, comme autre chose que vivre hors sol. Cette faillite, cet échec du rêve du progrès, il est cristallisé dans le terme qui a été proposé par des scientifiques récemment, qui est d'anthropocène, l'idée qu'on est sorti de l'ancienne époque géologique dans laquelle on croyait vivre, qui est l'Holocène, les 10 000 dernières années, d'une relative stabilité des températures et du niveau de la mer, pour rentrer dans autre chose, dans un habitat terrestre qui sera beaucoup plus mouvementé, beaucoup plus incertain qu'il ne l'a été dans les 10 000 dernières années, où justement on a vu fleurir l'agriculture, toute une série de civilisations dont nous sommes les héritiers. Et ça renvoie à l'idée qu'on se retrouve dans une nouvelle situation pour l'humanité, que à court terme, aujourd'hui, dans 10, 20 ans, nos enfants vont être face à des changements de notre habitat, des changements du système Terre, qui sont d'une ampleur que l'humanité n'a jamais connue. Si vous prenez +3 degrés, la dernière fois qu'il aura fait +3 degrés sur la planète, c'était il y a 3 millions d'années. Si vous prenez la crise actuelle de biodiversité, avec le rythme d'extinction des espèces, la dernière fois qu'il y a eu une crise de ce type-là, c'était il y a 65 millions d'années. Donc on est face à des transformations, on vit aujourd'hui des transformations de la Terre que Homo sapiens, si vous voulez, ou même le genre humain, hein, qui est apparu il y a 2,5 millions d'années, n'a pas connu. Donc on est dans une situation radicalement nouvelle qui a été, sur laquelle on a mis un mot qui s'appelle l'anthropocène. En même temps, l'anthropocène, c'est un mot qui est un peu dangereux ou problématique parce que ça nous ferait croire que c'est la faute de l'homme. Hein. Anthropos, l'âge de l'homme, donc ce serait les humains, de façon indifférenciée, qui seraient responsables de tous les problèmes environnementaux et climatiques. En fait, il faut avoir un regard beaucoup plus différencié. Il ne faut pas cacher un certain nombre d'inégalités, d'injustices. Les plus victimes du changement climatique aujourd'hui sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre depuis 2 siècles et aujourd'hui. Si on est pauvre dans un pays pauvre, on émet 1000 fois moins de carbone dans sa vie que si on est dans une classe moyenne ou supérieure d'un pays riche. Et il faudrait plutôt parler peut-être d'un capitalocène pour comprendre les mécanismes qui génèrent depuis 2 siècles ou un petit peu plus, à la fois des inégalités entre les humains et à la fois des dégradations qui touchent la planète. Alors capitalocène, ça renvoie à des théories marxistes de l'histoire du capitalisme, la notion des systèmes mondes de Immanuel Wallerstein, la notion d'économie monde de Fernand Braudel, l'idée que depuis plusieurs siècles, on a une économie qui se mondialise, mais en même temps des inégalités qui se jouent avec des pays dominants, des centres, qui organisent les échanges d'une façon inégale avec les pays de la périphérie. Et comme par hasard, si on regarde les pays dominants, le pays du centre du 19e siècle, c'est la Grande-Bretagne. Comme par hasard, c'est le pays plus émetteur de gaz à effet de serre. Au milieu du 19e, l'Angleterre émet, même à la fin du 19e, la moitié des gaz à effet de serre du monde. Si on, au début du 19e, c'est même 85%. Au 20e siècle, le pays dominant du système capitaliste, ce sont les États-Unis. Au milieu du 20e siècle, ils émettent à peu près 40% des gaz à effet de serre du monde. Aujourd'hui, on a une situation où la Chine et les États-Unis se discutent l'hégémonie dans le système capitaliste, et c'est la Chine qui est devenue le premier émetteur global. Donc finalement, résoudre la question climatique, c'est aussi se poser de la question de la course à la puissance dans cette guerre économique de nos économies capitalistes. Et puis, d'une façon plus profonde, il y a tout un ensemble de travaux faits par des historiens et des économistes depuis une quinzaine d'années qui reprennent les travaux plus anciens des marxistes autour de l'idée d'échange inégal, et ils les reprennent à partir de données, ils mesurent les flux de matière, les flux d'énergie dans le commerce mondial. Et ils montrent que les pays du centre, qui ont dominé l'économie capitaliste, ont non seulement opéré un échange inégal avec les pays de la périphérie en termes de travail, c'est-à-dire que les pays du centre achètent une heure de travail d'un paysan sénégalais pour beaucoup moins cher qu'une heure de travail d'un ouvrier qui fait des voitures chez Renault, et qu'il y a une sorte des termes de l'échange. On achète beaucoup plus de travail à la périphérie avec beaucoup moins de travail dans les pays du centre. Ça, c'est bien connu depuis les années 60-70 par des historiens de l'économie, mais on a réalisé depuis une quinzaine d'années que l'échange inégal, il se fait aussi en termes d'hectares, de capacité productive de la terre, en termes de matière, combien de tonnes s'échangent entre les pays du centre et les pays de la périphérie, en termes d'énergie de bonne qualité. En gros, les pays du centre drainent vers eux de la valeur d'usage écologique et externalisent des dégâts écologiques, des déchets. Les déchets électroniques, hein, les ordinateurs sont chez nous, les déchets sont aux Philippines et au Mexique. Et donc il y a un échange inégal de ce type-là, et il y a des historiens qui ont étudié ces choses très sérieusement et qui montrent que l'entrée de l'Angleterre dans l'industrialisation au début du 19e ne peut pas s'expliquer sans un échange inégal avec notamment l'Amérique du Nord pour les importations de coton cultivés par des esclaves, donc c'est aussi une appropriation de la terre et des humains, et ce qu'importe l'Angleterre en coton pour faire tourner ses machines textiles en 1830, c'est l'équivalent de 10 millions d'hectares de pâturage sur lequel on aurait mis des moutons pour avoir l'équivalent en fibre textile de ce coton américain. Bah, 10 millions d'hectares, c'est la surface agricole utile de l'Angleterre. C'est-à-dire que grâce à la capture, à la prédation des espaces américains, l'Angleterre double sa surface. C'est comme si elle doublait sa surface. Ce qui se passe dans les décennies d'après 1945, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, de façon erronée, tout un mode de vie consumériste qui se met en place dans les pays occidentaux s'explique de la même façon par une prédation sur les ressources de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, un échange inégal de matière, d'énergie, de terre. Par exemple, les pays, il y a une course, vous savez, entre les pays de l'Est et le bloc de l'Ouest. Dans cette course, le bloc de l'Est bousille son propre environnement. Leur balance matière est plutôt déficitaire, c'est-à-dire qu'ils ont tendance plutôt à exporter de la matière vers le reste du monde. Mais par contre, la mer d'Aral, les déchets nucléaires, etc., ils bousillent leur propre territoire qui est très vaste. Par contre, le camp occidental, pour alimenter sa croissance, pour alimenter notre modèle de développement, a drainé de la matière et de l'énergie sur le reste du monde. Et vous regardez la balance matière des pays occidentaux sur cette période, on draine 300 millions de gigatonnes de matière, ça peut être de l'alimentation, du pétrole, des minerais, c'est une balance matière qui mélange tout. 300 millions de gigatonnes en 1950, 1000 1200 millions en 1973. Donc littéralement, on vide le reste du monde de sa matière, alors que les pays du Sud à la périphérie, ça a été étudié pour la Colombie, pour ça, pour maintenir un minimum d'activité économique, ils doivent exporter leur matière. Donc ça renvoie vraiment à l'idée qu'il y a un lien entre la dynamique de notre système économique qui est profondément inégal et les enjeux écologiques et qu'il faut essayer de les penser ensemble. Donc ça renvoie à l'idée que les questions environnementales sont aussi des questions de justice sociale. Et maintenant, on va passer à l'historique des négociations, venir à des choses de plus en plus concrètes. Merci Christophe. Je pensais d'ailleurs, après ton explication, à ce qu'on voit aujourd'hui qu'on appelle l'accaparement des terres encore, hein, qui se fait de manière très violente, aussi bien en Afrique qu'en Asie, etc. C'est ce processus-là hein, d'aller accaparer la matière aussi, pas simplement la force de travail, mais aussi la matière, se poursuit aujourd'hui. Alors, je vais vraiment résumer hein, les enjeux des négociations de la COP21. Bon, c'est un sujet extrêmement technique, mais sous la technique, il y a des enjeux qui ne sont pas du tout techniques, qui sont des enjeux sociaux, des enjeux politiques et des enjeux démocratiques. C'est ça que je vais essayer de mettre en évidence assez rapidement. Les négociations sur le climat ont commencé, en fait, vraiment... Le GIEC a été créé en 1988. Il y a le premier rapport du GIEC. Donc vous voyez déjà le temps que nous avons perdu, je dirais, parce que les alertes étaient déjà là. Et c'est le sommet de la Terre à Rio en 1992 qui a mis en place la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, 1992, qui s'est dotée d'un organe de décision qui s'appelle la Conférence des parties, la COP. C'est ça que nous avons à Paris. La première COP, c'était à Berlin en 1995. Et là, nous avons la COP 21 à Paris. Donc, c'est l'organe de décision de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a une COP tous les ans, certaines étant plus importantes que d'autres. Celle de Paris, et je dirais pourquoi, particulièrement, devrait être particulièrement importante. Donc, 1992. Juste un petit chiffre. Depuis 1990, alors que l'idée c'était de diminuer, c'est l'idée de la Convention, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de 1990 à 2013 ont augmenté de 60%. Et donc les objectifs n'ont pas été du tout tenus. Bon, mais quand même, c'est la première fois, donc au niveau international, il y a une telle convention. Cette convention s'est réunie plusieurs fois et ça aboutit, et j'en dis un mot, à ce qu'on appelle le protocole de Kyoto en 1997, qui est le premier traité international juridiquement contraignant pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce protocole de Kyoto, il a été signé, je dirais presque, ça a été un état de grâce à un moment donné, puisqu'on verra, il ne peut pas être prolongé. Les pays, le protocole de Kyoto est rédigé de telle manière qu'il instaure une responsabilité commune par rapport au changement climatique. Tous les pays sont responsables. On ne peut pas échapper à cette responsabilité-là. Mais la responsabilité est différenciée. Ça, c'est un premier principe du protocole de Kyoto, notamment par rapport aux pays du Sud. Et du coup, le protocole de Kyoto, il est contraignant, c'est-à-dire qu'il fixe des plafonds d'émissions à ne pas dépasser seulement pour les pays industriels. C'est-à-dire que les pays du Sud ne sont pas soumis à des plafonds d'émissions, alors que tous les pays industriels vont être soumis à des plafonds d'émissions qu'ils répartissent ensuite hein, au sein de leurs entreprises, mais ils ne doivent pas dépasser un certain plafond. Ça, c'est le protocole de Kyoto. L'ambition était trop faible, certes, il s'agissait de diminuer les émissions de 5%, 5,2% entre 1990 et 2012. Bon, nous n'y sommes pas arrivés, hein, les émissions ont augmenté de 60%. Mais l'Union européenne, par exemple, hein, a atteint son objectif qui lui avait été fixé dans le cadre du protocole de Kyoto. C'était un traité international contraignant. Ce protocole de Kyoto est rentré véritablement en vigueur. Il faut du temps au niveau international parce qu'il doit être ratifié. Un traité international est ratifié par les États. Il a été ratifié par beaucoup d'États, mais malheureusement, les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Alors qu'ils étaient à ce moment-là, c'est en 2001 qu'ils ont voté, ils ne l'ont pas ratifié, alors qu'ils étaient les premiers pollueurs mondiaux. Ils ne l'ont pas ratifié. Ce qui a affaibli considérablement déjà le protocole de Kyoto si le premier pollueur ne fait pas partie du protocole. Et ce protocole de Kyoto a été très poussé par l'Union européenne à ce moment-là. Et les pays du Sud ont pu faire entendre leur voix pour imposer une responsabilité commune mais différenciée. Toutefois, les États-Unis ont agi aussi, États-Unis, monde anglo-saxon en général, dans le protocole de Kyoto pour introduire ce qu'on appelle des mécanismes de flexibilité, qui consistaient à dire « oui, mais les pays qui vont être soumis à un plafond d'émissions et qui vont demander à leurs entreprises de ne pas dépasser certains plafonds d'émissions, ces entreprises vont être défavorisées dans la compétition internationale ». Donc il faut absolument qu'on permette à ces entreprises de s'adapter progressivement à ces nouvelles normes et on pourra en rediscuter dans le débat, je ne vais pas le développer maintenant. Le protocole de Kyoto a mis en place ce qu'on appelle les marchés du carbone qui permettent aux entreprises de différer éventuellement leurs investissements. Bien, ce protocole de Kyoto, il prenait fin en 2020. Première phase, c'est 2012. Du coup, il y a eu une conférence très importante à Copenhague en 2009, une COP à 2009, puisqu'il fallait renouveler le protocole de Kyoto et s'y prendre assez tôt. Bon, vous savez tous qu'on dit, et c'est juste, que Copenhague est un échec. On est sorti avec rien de Copenhague, c'est-à-dire qu'on est sorti avec une déclaration de la Convention qui n'est plus du tout la perspective d'un traité international. Et ce qui a fait blocage à Copenhague, c'est quoi? C'est que les pays industriels, certains pays industriels, en première ligne les États-Unis, l'Australie, le Japon, le Canada, n'ont plus voulu entendre parler de l'idée de responsabilité commune mais différenciée. L'argument essentiel étant que depuis Kyoto, depuis 1997, on avait le phénomène des pays émergents, en particulier de la Chine, et qu'il n'y avait plus aucune raison maintenant de différencier entre les pays industriels et les pays du Sud. Et donc les pays du Nord, vraiment nos pays, ont vraiment bagarré contre cette idée d'accords contraignants avec des plafonds qui ne concerneraient que les pays du Nord. Et si je peux compléter, les pays dits du Sud, en 1990, ils représentaient 38% des émissions. Donc ça pouvait paraître logique, vu la responsabilité historique des pays industriels, de les exempter d'un effort. Mais aujourd'hui, en 2013, ils représentaient 74%. Donc il y a bientôt, la Chine, même en prenant les émissions historiques, sera le premier émetteur mondial. Donc effectivement, l'idée de continuer à exempter ces pays émergents n'était plus tenable dans la discussion internationale. Absolument. Mais disons que ceci a été utilisé parce qu'il aurait été possible de rediscuter quels étaient les pays qui étaient soumis au plafond, mais la tendance a été de dire que cette idée de responsabilité commune mais différenciée, finalement, n'était pas juste. Et de même a été discutée l'idée d'accords contraignants. Du coup, on est sorti de Copenhague avec rien du tout, si ce n'est un accord international sur les fameux 2 degrés. C'est à Copenhague que la communauté internationale s'est mise d'accord sur un réchauffement de pas plus de 2 degrés à l'échelle de 2100 et sur l'idée, en fin de négociation, pour obtenir quand même la signature des pays du Sud d'une maigre déclaration, l'idée qu'il fallait dégager à partir de 2020 100 milliards, vous en entendez parler, 100 milliards de financement au titre de la solidarité aussi, du transfert financier des pays du Nord vers les pays du Sud pour aider les pays du Sud à faire leur propre transition vers une économie bas carbone. Ça, c'est Copenhague. Bien. Dans les conférences suivantes, bien entendu, on a rediscuté tout cela puisqu'on ne pouvait pas rester avec la déclaration de Copenhague dans laquelle il n'y avait absolument rien. Et donc, on s'est mis d'accord à Durban, enfin, les États se sont mis d'accord à Durban pour aller, c'est-à-dire 2011, les négociations de Paris, elles n'ont pas commencé uniquement à Paris. En 2011, on s'est mis d'accord sur l'idée qu'on devait arriver à un accord international en 2015. À ce moment-là, on ne savait absolument pas que c'était Paris. Paris a candidaté après. Donc, voilà pourquoi cette conférence est très importante, parce qu'après l'échec de Copenhague, après le protocole de Kyoto, il s'agit en 2015 de trouver un accord international qui sera opérationnel en 2020 seulement. Comme le GIEC nous dit que les 10 prochaines années sont très importantes, il y a tout de même urgence. Et donc à Durban, on décide qu'il y a 2 groupes qui travaillent. Un groupe qui travaille sur les actions avant 2020, qu'on doit prendre avant 2020, et l'accord qui sera l'accord de Paris, qui s'appliquera après 2020. Mais ce qui est décidé surtout à Durban, c'est qu'on va abandonner l'idée d'un traité international contraignant qui serait un traité de l'ONU, onusien, qui impliquerait des contraintes pour les États. On renverse la situation, et là, c'est toute la tradition anglo-saxonne qui s'était déjà exprimée à Kyoto, mais qui là véritablement s'exprime totalement. On va construire l'accord de Paris à partir des déclarations volontaires des différents États. On demande aux différents États dans le monde de déclarer ce sur quoi ils s'engagent concernant la diminution des émissions d'ici 2030. Vous voyez bien que ce n'est plus l'accord contraignant, et l'accord de Paris doit faire la somme de ces déclarations volontaires. L'idée des Nations Unies, c'était, si les choses avaient été faites à temps, qu'il y ait un processus de révision, c'est-à-dire qu'avant Paris, que si vraiment ces déclarations volontaires nous conduisaient sur un sentier trop élevé, à ce moment-là, l'ONU redemanderait aux États de relever leurs déclarations volontaires. Ça n'a pas été possible parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Je n'explique pas les détails, mais pour faire ces déclarations volontaires, on les a aujourd'hui. Il y en a sensiblement 150 États donc, qui ont fait leurs déclarations volontaires sur les 192 ou 16 des Nations Unies, ça dépend comment on le compte. Et ça représente à peu près 86% des émissions mondiales. Donc on a depuis le fin octobre toutes ces déclarations, et les scientifiques ont travaillé, ont calculé donc à combien de réchauffement cela nous mène en 2100. Le résultat de plusieurs études, c'est plus 3 degrés. C'est plus 3 degrés. Donc manifestement, les déclarations volontaires qui vont être dans l'ossature de l'accord de Paris sont insuffisantes par rapport à l'objectif de degré qui pourtant jusqu'ici était l'objectif de la conférence de Paris, c'est-à-dire avoir un accord qui permette d'atteindre vraiment les 3 degrés. Et donc maintenant, ce qui est négocié, ça ce n'est pas négocié, ça ne sera pas négocié à Paris. Ça peut paraître étrange dans une négociation sur le climat qu'on ne renégocie pas les émissions, ça ne sera pas négocié puisque c'est la prérogative des États. Parce qu'il y a eu le refus d'un accord qui vient d'en haut, on a voulu construire un accord à partir d'en bas. Ce qui reste négocié maintenant dans le cadre de la COP21, ce qui reste négocié, c'est la possibilité de ce qu'on appelle une clause de revoyure. Bon, alors une clause de revoyure, il y a des tas de formulations. C'est-à-dire la possibilité pour les États ou l'obligation, alors ça dépend du verbe qu'on emploie dans les textes de l'ONU, possibilité, obligation, éventualité, il y a une gamme de vocabulaire extrêmement variée qui n'a pas le même sens, de revoir ces déclarations volontaires le plus rapidement possible pour les augmenter avec un effet de cliquet. Il serait interdit évidemment d'aller plus bas. Et là, les discussions vont porter beaucoup là-dessus. Il y a un accord à peu près général sur « oui, on va revoir nos déclarations », mais ceci ne veut absolument rien dire. Est-ce que cette revoyure, comme on dit, elle va être obligatoire? Et surtout, quels vont être aussi les moyens de contrôle de l'effectivité des déclarations volontaires? Et là, il y a d'énormes débats aussi, ce sera débattu à Paris. Donc voyez-vous, c'est quand même très technique. C'est quel organisme va vérifier que véritablement les États respectent leurs déclarations volontaires? Certains penchant pour que ce soit un organisme multilatéral international, l'ONU, les pays du Sud demandent ça. Les pays du Nord en particulier, mais la Chine aussi, ne tient absolument. Beaucoup de pays vivent ça comme une atteinte à la souveraineté et ne veulent pas qu'il y ait un organisme supranational qui vienne dans leur pays faire des contrôles pour savoir si vraiment ils respectent leurs engagements. Donc l'essentiel des négociations maintenant va porter sur la nature juridique de l'accord. On va vers... Vous avez entendu la déclaration des États-Unis, ça a été de John Kerry il y a 2 ou 3 jours, qui a dit « Les États-Unis ne veulent pas d'accord contraignant ». Et beaucoup de commentateurs ont semblé tomber des nues. Non, c'est évident, et ils ont le mérite de le dire très clairement, l'accord de Paris ne sera pas un traité international contraignant. John Kerry l'a dit, il a raison, il n'est pas dans l'écran de fumée. Ce qui est en train d'être discuté par des juristes, c'est qu'il y aurait 2 textes en fait, 2 ou 3, c'est pas encore fixé. Un texte très général qui reprendrait les 2 degrés, qui reprendrait des grands principes de la Convention et qui définirait les modalités de négociation après 2020. Ce texte-là, ce serait un accord international véritablement, qui devrait être ratifié par les États, mais qui ne serait pas un vrai traité, mais dans lequel il n'y aurait aucun chiffre, aucune obligation. Et ensuite, un 2e texte, qui serait une déclaration de la COP, dans lequel il y aurait essentiellement les déclarations volontaires des États. Les États-Unis ne veulent absolument pas, et le Japon, l'Australie, etc., ne veulent pas que les déclarations volontaires soient dans le texte, qui juridiquement pourrait être un peu contraignant. Donc les batailles actuellement, c'est qu'est-ce qu'on met dans le texte qui peut avoir une certaine contrainte juridique et qu'est-ce qu'on laisse dans la déclaration finale de la COP. Dernier mot, concernant les énergies fossiles, bon, j'ai là le texte en discussion. Ce texte est très compliqué. Ils étaient arrivés à faire un texte il y a 1 mois à peu près qui était un texte d'une 20aine de pages. Ce texte, nous l'avons commenté, il était absolument inacceptable. Et là, ce sont beaucoup des pays du Sud qui ont tapé du poing sur la table à Bonn dans les dernières négociations, qui ont menacé de tout quitter. Et donc, on a un nouveau texte qui maintenant fait 80 pages. Nous sommes à 15 jours de l'ouverture des négociations. Un texte dans lequel il y a énormément de choses qu'on dit entre crochets. Ça veut dire c'est les sujets sur lesquels il n'y a pas d'accord. La nature juridique de l'accord de Paris, personne, enfin, il n'y a aucun accord là-dessus. Et surtout, il n'y a rien dans ce texte sur les énergies fossiles. Rien. Et en particulier, au moins ce que nous demandons, et que là ce soit contraignant, c'est qu'il y ait un arrêt, pas seulement de l'extraction des énergies fossiles, mais on pourrait commencer par l'arrêt des subventions publiques aux énergies fossiles. Ça représente au niveau du monde, par an, à peu près 700 milliards de dollars qui, tous les ans, fonds publics, sont donnés dans le cadre pour l'industrie fossile. Et donc, nous demandons au minimum qu'il y ait une réduction progressive, la plus progressive possible, de ces subventions et que cet argent serve justement, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Pour financer le changement climatique, eh bien là, il y a de l'argent. Rien sur les énergies renouvelables, donc rien sur la transition énergétique. Sur les 100 milliards, dernier mot, sur les fameux 100 milliards, c'est là qu'il va y avoir des marchandages extrêmement importants. C'est le joker de fin de COP en général. Bon, sur les 100 milliards maintenant, on est en train de nous dire que ça y est, on va y arriver aux 100 milliards. Que d'ailleurs, l'OCDE a publié un rapport il y a 15 jours qui nous dit on est déjà à 62,5 milliards. On ajoute, on met dans ces 100 milliards qui, dans l'esprit de Copenhague, devaient être 100 milliards donnés de manière collective, si vous voulez, multilatérale, qui devaient partir des pays du Nord vers les pays du Sud pour les aider à faire la transition. Et c'était 100 milliards additionnels par rapport aux autres aides que nous donnons par rapport... Enfin, que nous donnons... que nous prêtons généralement aux pays du Sud. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de calculer déjà tout ce qui est prêté aux pays du Sud, tout ce qui est donné à divers titres, et on est en train de le comptabiliser dans les 100 milliards. C'est-à-dire qu'on ne parle absolument plus de 100 milliards additionnels qui seraient en plus pour véritablement financer Hein, ne serait-ce que, c'est un gros point de focalisation pour les pays du Sud, ce qu'on appelle l'adaptation. Il y a deux volets dans les négociations climatiques. Il y a ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire on met le couvercle sur la marmite et on limite les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi l'adaptation. Or, les pays du Sud, beaucoup, Philippines, Bangladesh, régulièrement, subissent déjà physiquement les effets du changement climatique. Et donc, ils demandent qu'il y ait, que ces 100 milliards servent à financer l'adaptation, à financer les catastrophes, enfin, la résistance par rapport aux catastrophes. Bon, là, évidemment, les pays du Nord, eux, sont beaucoup plus intéressés, plutôt les lobbies industriels du pays du Nord sont beaucoup plus intéressés dans les investissements en éoliennes, etc., pour lesquels il peut y avoir du retour sur investissement. Donc voilà à peu près la situation à 15 jours de la négociation. Je crois qu'on va devoir conclure, enfin, voilà, un mot de conclusion tous les deux. En raccourci, on reviendra sur des choses. Oui, donc effectivement, vu le tableau que tu nous dresses, on s'aperçoit que la COP21 et le cadre dans lequel se font les négociations est plus qu'insuffisant. C'est un écran de fusée. Puis il y a au moins 3 failles énormes dans la COP21. C'est uniquement des engagements volontaires. On a 0 système de contraintes. C'est étrange dans les relations internationales. Il y a un domaine dans lequel il y a un système de contraintes qui marche, c'est le libre-échange, c'est l'OMC. Alors là, si vous avez un État qui ne respecte pas un accord de libre-échange, vous avez tout de suite un recours devant l'organisme de règlement des différends. En 2-3 ans, l'affaire est réglée, il y a des rétorsions et ça se chiffre en milliards de rétorsion commerciale contre cet État. Alors quand il s'agit d'organiser le libre-échange, là on est capable de mettre en place une architecture internationale contraignante. Mais quand il s'agit d'organiser une planète qui soit habitable pour la majorité de la population, là on dit « Oh, c'est trop difficile, on va faire du volontaire, allons-y doucement, c'est mieux que rien, etc. » Voilà. Deuxième énorme faille que tu as présentée, c'est que ça prend effet en 2020. La plupart des engagements des États, enfin des contributions, parlent de 2030 comme le moment où ils vont commencer à stabiliser leurs émissions, alors qu'on sait bien que c'est dans les 5 ans, dans les 10 ans qu'il faut complètement changer de trajectoire. La troisième énorme faille, c'est qu'on raisonne uniquement en bout de cheminée, comme je vous le disais, et que personne ne veut négocier sur la régulation de ce qu'on extrait du sol, alors qu'on en a 5 fois trop. Donc du coup, il y a quelque chose de déprimant dans ce qui se passe, sauf que la différence avec Copenhague, c'est que les mouvements sociaux, les mouvements citoyens, les mouvements écolos, à Copenhague, on a manifesté en disant aux décideurs « faites quelque chose pour sauver la planète ». Et on leur a donné un petit peu un blanc-seing pour faire quelque chose. Et puis en sortie de négociation, tout le monde avait la gueule de bois. Et pendant plusieurs années, les mouvements sociaux autour du climat étaient déprimés. Là, cette fois-ci, c'est différent. On sait que les décideurs ne seront pas à la hauteur et on ne leur demande finalement pas de faire ce qu'on sait qu'ils ne vont pas faire. Hein, la COP, c'est pas par hasard s'ils ne le font pas. Il y a des intérêts économiques. La COP est subventionnée elle-même à 20% par les grandes entreprises, dont certaines sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Vous avez Engie, vous avez EDF qui sont dans les sponsors. On va utiliser la COP 21 comme caisse de résonance pour faire avancer nos idées, nos démarches, nos solutions, nos alternatives. Il y a 3 grands domaines dans lesquels, depuis quelques années, on avance, on construit des choses, on commence à transformer le rapport de force et qui sont des raisons d'espérer. Le premier domaine, c'est les alternatives, c'est la capacité de toute une série de collectifs sur des territoires à essayer de vivre autrement, à vivre avec moins, à organiser des solidarités, des relocalisations, des AMAP, des projets d'éoliens coopératifs, des terres de liens, etc., qui a été un peu fédéré par le mouvement Alternatiba ces derniers mois, le tour à vélo, les foires Alternatiba dans beaucoup de villages. En Allemagne, le tournant énergétique, c'est aussi un tournant citoyen de ce type-là. 30% de l'électricité en Allemagne est maintenant d'origine renouvelable, dont la moitié est possédée par des citoyens des coopératives ou des régies municipales. Donc il y a eu une réappropriation citoyenne de l'énergie dans le cadre d'un tournant énergétique qui a été assez rapide en Allemagne. On nous dit on n'y arrivera pas, ça coûte trop cher. Il y a un rapport de l'ADEME qui a fuité, mais que la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, essayait de cacher, qui montre que d'ici 2050, on pourrait avoir une énergie entièrement, une électricité entièrement d'origine renouvelable et que ça coûterait moins cher que de renouveler les centrales nucléaires et de faire des EPR. Donc il y a tout un ensemble d'alternatives qui existent sur les territoires. Finalement, il suffirait que les décideurs arrêtent de nous réprimer pour que ces alternatives d'aujourd'hui, qui sont des niches, deviennent le système de demain. Donc il y a un panel d'initiatives, de solutions qui sont là dans la société, dans nos pays au nord, mais aussi au sud. Le deuxième axe, on pourrait dire, j'ai dit Alternatiba pour le premier, on pourrait dire Blocadia, bloquer les projets nuisibles. On a réussi en France à bloquer les gaz de schiste, même si ce n'est pas tout à fait gagné, mais ça a été une grande bataille qui a été gagnée. Il y a quelques jours, Obama a annoncé qu'il annulait le projet d'oléoduc de l'Alberta jusqu'au port de la Floride. Et c'est encore une grande victoire qui a été gagnée récemment. On peut penser aux ZAD, à toutes les luttes contre les infrastructures et les projets inutiles. Là, on ne peut pas dire qu'on a eu des grandes victoires ces derniers temps, mais on a continué à occuper les lieux à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs. Il y a également tout un travail de ce côté-là. Puis le dernier domaine, on pourrait l'appeler Désinvestiba. C'est l'idée de retirer l'argent des activités fossiles. Ce sont les négriers d'aujourd'hui, les gens qui font du profit avec des activités qui sont fortement émettrices. Ils doivent devenir les parias. Il faut qu'on retire nos billes de ces activités-là. Il faut qu'on oblige nos banques à retirer leur argent des activités d'extraction de mines, de pétrole, etc. Dans le livre, il y a un article de John Palais qui raconte comment son association, BC, a mis la pression sur la Société Générale pour qu'il se retire du financement d'une méga mine de charbon en Australie. Ils ont commencé par demander des rendez-vous, par distribuer des tracts devant l'agence Société Générale à Bayonne. Ils se faisaient prendre pour des rigolos, ils ont fait des manifs en kangourou, etc. Bon, ils se sont pas fait prendre au sérieux. Ils ont maintenu la pression, ils ont été déversés 1,5 tonne de charbon devant l'agence Société Générale de Bayonne. C'était un peu avant la COP21 à Lima. Et quelques jours plus tard, la direction de la Société Générale France, sous la pression, il y avait aussi les Amis de la Terre, il y avait Attac derrière ce mouvement-là, a annoncé son retrait, qu'elle allait retirer ses billes de ce projet en Australie. Donc vous voyez qu'à une petite échelle, chacun dans notre groupe, dans nos associations, on peut faire pression sur les banques et tous ceux qui détiennent de l'argent et qui doivent le retirer des activités fossiles. Et ce mouvement-là de désinvestissement qui existe à travers le monde entier, qui est un peu fédéré par l'ONG 350.org, depuis un an, ça représente 2500 milliards de dollars qui ont été retirés des énergies fossiles. 2500 milliards, c'est énorme. Si vous comparez à la difficulté des chefs d'État à rassembler 100 milliards, ça donne une idée de la force qu'on peut avoir en tant que mouvement citoyen, en tant que peuple, en tant que mouvement social. Donc sur ces trois domaines, Alternatiba, Blocadia ou Désinvestiba, on avance et on n'a pas de raison de lâcher l'affaire. Non, je crois que je vais laisser quasiment cette conclusion pour qu'on puisse avoir un débat, sinon je crois que ce sera trop court. Bon, Christophe a dit absolument l'essentiel, il l'a dit très bien. Je voudrais rajouter peut-être juste une chose, mais ça revient avec Blocadia, c'est que là où en est notre système aujourd'hui fait que l'accélération qu'il y a dans les investissements inutiles, les grands projets, les grandes infrastructures, etc., etc., aujourd'hui nous prive d'une démocratie minimum. Bon, je suis à Toulouse ici, le projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse a été considéré comme négatif par la Cour des comptes, a été considéré comme négatif par des experts, la commission d'enquête. Bon. Eh bien, il y a une décision qui tombe et qui dit « cette ligne se fera ». Donc, nous sommes dans un modèle, et je prends cet exemple-là, mais on pourrait multiplier ces exemples-là, où on sent bien aujourd'hui que ce modèle-là, ce capitalisme qui est dans une sorte de fuite en avant, ne peut plus fonctionner avec la démocratie, mais avec la démocratie minimum. Et donc, ce sont des passages en force qui se font toujours, bien souvent, avec une rationalité économique même qui est délirante. Le rapport de la Cour des comptes, c'est par rapport à des arguments économiques qu'il dit que finalement, cette ligne grande vitesse ne se justifie pas. Eh bien non. Non, on passe au-dessus. Voilà pourquoi se développe aussi, et ce sera important à Paris dans les 2 semaines de la COP, des mouvements de désobéissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a totalement épuisé tous les recours juridiques qu'on peut avoir, par rapport à quelque chose que, globalement, on refuse. Nous considérons qu'il devient de notre devoir de désobéir. Pourquoi ? Parce que tout ce dont nous avons parlé ici, sur le climat, en fait, c'est une question de vie. Aujourd'hui, nous nous battons pour la vie par rapport à des entreprises qui sont mortifères, par rapport à des situations mortifères. Et donc, nous avons véritablement un devoir de désobéissance. Dès lors que toutes les procédures démocratiques ne sont pas respectées, eh bien, nous devons nous exprimer autrement. Et à Paris, il y aura, à Paris comme ailleurs, hein, ça a commencé, il y aura aussi pendant ces 2 semaines des actions de désobéissance de masse posées comme non violentes. Il ne s'agit pas du tout d'aller chercher l'affrontement pour l'affrontement. Nous voulons absolument identifier les responsables du changement climatique. Parce que nous ne voulons pas rester dans une abstraction consistant à dire « nous sommes tous responsables, la responsabilité est entièrement partagée ». Non, nous voulons montrer par des actions de désobéissance, donc les cibles, vous les connaissez, c'est la BNP, c'est Total, c'est etc., qui seront ciblées. C'est une grande rencontre qu'il va y avoir au Grand Palais le 4 décembre de tous les sauveurs du climat et de l'humanité, parce que c'est ainsi qu'ils se présentent, et c'est les Total, les Exxon, les Chevron, etc. Et donc là, il va y avoir des actions de blocadia aussi le 4 décembre, parce que nous pensons que c'est impossible que se tienne un tel rassemblement à Paris à un moment où justement nous devons prendre des mesures extrêmement importantes. Bon, tout ceci dans des mouvements non violents, déterminés, qui entendent montrer à l'opinion publique où sont justement les responsables. Et nous considérons que c'est effectivement notre devoir, d'autant plus qu'il y a toute une partie des destructions de la Terre et des humains avec, qui est illégale, mais il y a toute une partie légale. C'est bien ça notre difficulté. Il y a une partie de la déforestation qui est illégale, que nous devons combattre, mais il y a une partie parfaitement légale qui va même être auréolée par le fait qu'on peut déforester à condition de replanter une forêt à côté pour compenser la déforestation. Et donc c'est par rapport à cela que une de nos armes aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce n'est pas un effet mode, ce n'est pas un effet de désespoir, mais nous devons désobéir. Voilà, je crois que c'est mon dernier mot. Je crois qu'il y a des micros dans la salle pour que vous puissiez intervenir. Oui, bonsoir. J'avais une question qui est un petit peu en marge de ce dont vous parlez, mais en même temps qui rejoint, surtout en termes de désobéissance possible. Je pense à EDF et au futur, enfin futur, c'est pas futur pour tout le monde, mais aux compteurs Linky, qui vont être imposés dans tous les foyers et dont on ne sait pas toujours les conséquences que ça va avoir, qui sont présentés comme une panacée à différents niveaux, au niveau économique, au niveau... Enfin, je crois même avoir vu sur le site EDF que ça allait générer, selon eux, des embauches, alors que c'est le contraire. Bon. Évidemment, quand on ne relève plus les compteurs, les gens qui relèvent plus ne sont plus là pour relever les compteurs, ben, il faut les recaser ou pas. J'aimerais savoir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Moi, mon souci premier, c'est les émissions d'ondes, puisque apparemment, tous les circuits actuels électriques ne sont pas faits pour supporter ce système-là. Et on va baigner dans une émission d'ondes permanente. Pour moi, c'est une pollution, ça. C'est une pollution qui nous atteint dans nos foyers et contre laquelle, apparemment, on ne peut rien faire, puisqu'on n'a apparemment pas le choix. Donc, il y a bien des organismes comme Robin des Toits qui essaient de faire passer des pétitions ou des lettres de refus. J'ai peur que ça reste lettre morte. Et je voulais savoir si vous aviez une opinion là-dessus et éventuellement ce qu'on peut faire. Moi, ça m'agresse. Ça m'agresse doublement. Ça m'agresse parce qu'on m'impose quelque chose que je ne veux pas. Et une fois que ça sera chez moi, je suis quasiment électrosensible. Donc, ça m'agressera d'autant plus. Voilà. Je ne sais pas si... voulais répondre. Moi, je vous propose une règle pour la discussion. C'est pour éviter autant que possible le jeu questions-réponses où on serait les experts qui savons tout et qui allons répondre à toutes vos questions. Si, lorsqu'il y a une intervention et que quelqu'un veut réagir directement en apportant une réponse ou un complément, vous levez les deux mains et comme ça, vous auriez la priorité. Ça permettra d'organiser le débat de façon plus transversale. Mais typiquement, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle des compteurs intelligents. Hein, bon, donc, nous avons déjà des smartphones, des phones intelligents. On nous parle de villes intelligentes, de compteurs intelligents, de manière à gérer de manière plus rationnelle hein, la consommation d'énergie. Bon, qu'il faille faire des économies, qu'il faille les gérer de manière plus rationnelle, oui. Mais ça, c'est vraiment typique du fait qu'on joue seulement sur ce qu'on appelle, je parlerai des ondes après, l'efficacité énergétique. EDF n'agit en rien pour ce qui est la sobriété énergétique. Au contraire, EDF a été un grand promoteur de la surconsommation d'électricité, et notamment d'électricité en France d'origine nucléaire. Donc moi, je ne connais pas exactement le fonctionnement de ces compteurs intelligents, mais c'est typiquement on va de plus en plus être équipés d'outils intelligents qui vont nous permettre hein, de vivre sur une planète qui devient difficile à vivre. Et des équipements qui vont nous permettre aussi de savoir si nous mangeons trop de protéines à un moment donné qui se déclenchent. Mais ce sont des choses qui sont aussi envisagées dans le cadre de la médecine par rapport à la santé. Des choses sur les réfrigérateurs également pour gérer dans le cas où le réfrigérateur... Bon, bref. Alors moi, ce que je réponds rapidement. Hein. Moi, ce que j'ai fait par rapport à EDF et que je conseille de faire, on est de plus en plus nombreux, c'est de quitter EDF et de passer à un autre distributeur d'électricité qui s'appelle Enercop. C'est une coopérative. C'est une coopérative qui distribue de l'énergie, qui produit de l'énergie renouvelable. C'est très simple, c'est vraiment un clic sur Internet, c'est très très simple. C'est légèrement plus cher que... C'était légèrement plus cher il y a quelques années que EDF. Du fait de l'augmentation des prix de l'électricité, maintenant c'est à peu près la même chose. Et surtout, ils font un suivi qui font qu'ils vous aident aussi, sans système intelligent, hein, à diminuer votre propre consommation, parce qu'il y a des évidences hein, pour diminuer sa propre consommation. Ça fait partie pour moi, pour nous souvent, hein, dans le cadre d'Alternativa, etc., des choses que nous pouvons faire, hein, et qui ne sont pas du tout anecdotiques. Bonsoir. En ce qui concerne les causes volontairement occultées, les causes du réchauffement climatique volontairement occultées par les politiques, il en est une qui est aussi volontairement occultée par les paroles alternatives comme les vôtres, aussi dans des mouvements citoyens comme Alternatiba, et qui cause 14,5% des gaz à effet de serre, et même 50% des gaz à effet de serre si on inclut le méthane, qui, comme vous l'avez dit, cause beaucoup plus de réchauffement climatique, c'est l'élevage, donc la production et la consommation d'animaux pour être mangés. Les subventions politiques, évidemment, dictées par les lobbies sont aussi monumentales. Donc, eux, on comprend pourquoi ils occultent le sujet, pourquoi des paroles citoyennes comme les vôtres l'occultent, je ne comprends pas, d'autant plus que l'élevage, comme vous le savez, est responsable de 80% de la destruction des forêts, notamment la forêt amazonienne, notamment au Brésil, pour cultiver du soja. C'est pour ça que la forêt est rasée, pour donner à manger à des animaux qui sont destinés à une poignée de privilégiés, dont nous, alors que nous n'avons en rien besoin de manger des protéines animales et que ces protéines végétales qui sont par exemple dans le soja pourraient être consommées par des humains. L'élevage accapare, vous parliez d'accaparement des terres, 2 tiers des terres arables du monde. Pour faire 1 kilo de viande de vache, il faut 15 kilos de céréales ou de légumineuses qu'a mangé la vache et qu'a transformé pour faire du muscle, et 15 000 litres d'eau potable. Donc avec les 1 milliard de personnes qui meurent de faim, vous voyez un petit peu, je pense que c'est pas du tout anecdotique et je comprends pas que ça soit occulté à ce point. Voilà. Et deuxième question qui est liée, comment dans une dynamique de respect du vivant, on peut se permettre d'occulter une activité qui réduit à l'état de marchandise des individus sensibles et conscients qui sont élevés et tués dans des conditions évidemment atroces, qui sont réduits à l'état de matière, comme disait monsieur, alors que nos besoins en viande sont exactement de zéro. Oui, moi j'ai une question ici. Attendez, est-ce que c'est le même sujet? Dans ce cas, je propose de prendre la parole. Allez-y. Attendez, le micro arrive. Alors, Alternatiba a été mis en cause. Je voulais rappeler qu'à Alternatiba, il y avait différents villages, dont le village agriculture, et peut-être que vous auriez pu intervenir avec Alternatiba sur votre sujet. Ah bah alors donc Alternatiba, dans ce cas-là, parlait de ce sujet. Et il y avait un monsieur ici, et puis ensuite on dirait... Oui, globalement, vous avez évoqué le problème de l'accaparement des terres, on vient d'en reparler, mais effectivement... C'est notre système alimentaire, le système agro-industriel en général, puisqu'on a une campagne par un collectif d'associations sur Toulouse. Je vous invite à regarder ce qui se fait dans différents cinémas, différentes salles. Vous avez un programme sur l'accaparement des terres dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Et on sait, et les estimations des associations et des mouvements sociaux montrent que notre système agro-industriel, système alimentaire compris, représente effectivement autour de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors il faut y mettre la totalité. Vous venez de parler de l'élevage, c'est un aspect des choses, mais il y a la production avec tous les intrants, les machines agricoles bien sûr, tout le transport, puisqu'on transporte on transporte les aliments d'un bout à l'autre de la planète, la transformation industrielle, la distribution dans les grandes surfaces, etc., et y compris le gaspillage. Tout ça, c'est un élément très important. Et là-dessus... Et en amont, la déforestation. Accaparement des terres, déforestation. Déforestation, on peut citer, il y avait hier soir justement un film sur l'huile de palme. Actuellement, vous le savez, l'Indonésie est en feu depuis le mois d'août. Hein, c'est pas anecdotique, on en parle très peu dans les médias. Les émanations de gaz à effet de serre de ces incendies, ça représente, depuis le début, ça représente le volume, je crois, des États-Unis sur l'année. Donc c'est vraiment énorme ce qui est en train de brûler en Indonésie, et pour le fait de produire essentiellement des plantations d'huile de palme. Ce n'est pas pour les alimentations animales, c'est pour la nôtre, c'est dans tous les aliments, puisqu'elle remplace d'autres huiles végétales par ailleurs. Donc ce problème sur l'alimentation, il est fondamental. Et là, l'alimentation, on a tout un chacun. Tous, on a le pouvoir de changer de faire changer nos habitudes alimentaires. On peut changer très vite. Rappelez-vous simplement d'une chose, pour mémoire, dans les années 60-70, on ne parlait que de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, elle a pratiquement complètement disparu de nos systèmes de consommation. Pour une raison principale, parce qu'en particulier les États-Unis et l'Europe, d'ailleurs les pays occidentaux, étaient touchés par un problème qui était l'allergie. C'est une huile extrêmement allergène et il y a eu des cas de mort, hein, il y en a eu plusieurs, et donc ça a été très rapidement supprimé. Et on ne s'en est pas porté plus mal, apparemment. Donc je veux dire que sur le plan alimentaire, parce que c'est aussi un des points très importants des émissions de gaz à effet de serre, on peut chacun faire des efforts. Sur la viande, certes, mais sur bien des domaines. Et pousser nos industriels à changer aussi les habitudes et à relocaliser, et à, chez nous aussi, avoir de la production locale, des AMAP, vous en avez parlé, etc., pour renverser la vapeur, si je puis dire, dans ce domaine-là aussi. Je vous invite à essayer de participer aux différentes manifestations qui ont lieu sur le sujet. C'est intéressant d'en débattre. Voilà. Alors... on n'en a pas parlé ce soir, mais en fait, dans le livre, il en est question. Il y a un chapitre de Vandana Shiva sur le rôle des paysanneries qui développent des agricultures biologiques, agroécologiques, qui participent à la capture du sol, du carbone dans le sol via l'humus, et au fait que ces paysanneries sont finalement, et ces pratiques agricoles sont des solutions. Vandana Shiva remet en question le modèle d'agriculture industrielle écarnée, et effectivement on n'est pas loin de 50% pour les émissions liées à l'agriculture, à l'alimentation et à la déforestation. Il est tout à fait important de remettre en question un modèle alimentaire où on consomme des produits qui viennent de loin et des produits carnés. Soit dans un végétarisme à 100%, soit simplement en mangeant de la viande une fois ou deux par semaine, c'est-à-dire sortir du modèle nutritionnel qu'on nous a imposé depuis la Deuxième Guerre mondiale comme étant le seul qui serait conforme à notre santé. On sait que c'est faux, hein, en termes de santé, les excès de consommation de viande posent toute une série de problèmes. En même temps, il y a tout un débat, hein. Est-ce qu'il faut absolument bannir tout élevage, ou est-ce qu'il faut opposer l'industrie animale, d'une part, la ferme des 1000 vaches, ce genre de choses, et d'autre part, un véritable élevage paysan qui se vit dans une relation de compagnonnage et qui permet de valoriser des sols qui ne sont pas labourables, dans des prairies, des zones de montagne, etc., et où on mange de la viande très peu souvent, mais on mange de la viande de bonne qualité, d'animaux qui sont heureux. Moi, je suis le parrain d'une chèvre dans les Cévennes. Je peux vous garantir, je l'ai visitée en Ardèche. C'est une chèvre de race menacée, de chèvre des Cévennes. Elles se font des câlins. Et on arrive dans les tables, elles viennent chercher des carottes. C'est incroyable. Et donc, on peut aussi... Non, mais y compris l'abattoir, je pense que... effectivement, il y a une violence... Oui. Je voudrais revenir sur votre présentation de la COP21 et des enjeux de toutes ces négociations. Non pas pour dire qu'il y a quelque chose à dire, mais la présentation a l'air de dire que les États sont méchants, que les États ne veulent pas arriver... à obtenir un certain nombre de résultats. Or, le problème, c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est que les États, ou du moins ceux qui les représentent, défendent un certain nombre de situations qu'ils vivent par rapport à leur population. Je prends l'exemple type, vous n'allez pas demander aux responsables des pays du Moyen-Orient immédiatement de supprimer toute leur production, de toute leur richesse qui mettrait complètement en l'air tout leur pays. On comprend qu'ils ne veulent pas. Et donc ma question pour ça, c'est quelles sont les transformations rapides, puisqu'il faut aller vite, 2020, 2030, quelles sont les transformations rapides qu'en France, nous, les citoyens, on devrait obtenir pour aller vers cette limitation à 2 degrés. Je veux dire, il ne suffit pas de dire les États ne le veulent pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ici, je comprends toute l'assistance et un certain nombre d'acceptations de tout ça, mais allez, on va se promener dans la rue, on aura quand même d'autres réactions. Aujourd'hui, enfin, cette semaine, dans le Nouvel Obs, il y a un article qui montre combien là, il y a des résistances à toutes ces transformations. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comment faire passer ces ambitions collectives en acceptation individuelle, en acceptation citoyenne, au-delà des cercles qui l'acceptent facilement. Et juste une petite remarque, Geneviève Azam, je suis toujours surpris qu'on lutte contre la LGV, contre la ligne à grande vitesse, qui en fait a comme un objectif d'empêcher qu'un tas de gens prennent l'avion pour aller à Paris et prennent plutôt le train. Ça me paraît... Oui, ça me paraît... Au bilan comptable, ça me paraît discutable. Bon. Écoutez, si on parle bilan comptable, parlons-en. Moi, je défends la rénovation de la ligne actuelle Toulouse-Bordeaux. En la rénovant bien, c'est un quart d'heure de différence par rapport à une LGV. Je sais que le temps, pour certains, est absolument précieux. Je crois qu'on a besoin de ralentir un petit peu. La différence d'un quart d'heure ne justifie pas les 8 ou 9 milliards d'écarts au niveau financement. Si on veut parler compte, parlons compte. Donc voilà, c'est pas du tout de dire on garde le statu quo. Il y a de quoi améliorer la ligne actuellement existante sans à nouveau détruire des terres en construisant une nouvelle ligne selon les normes des lignes. Parce que c'est ça la question, c'est que la LGV ne peut pas, un train grande vitesse ne peut pas circuler sur la ligne actuelle, donc il faut construire une nouvelle ligne avec des nouvelles gares et on stérilise encore un peu plus de terre à l'heure où au contraire il ne faut surtout pas les stériliser. Bon, mais ce n'était pas ça votre question essentielle. Je me suis mal exprimée si j'ai voulu dire que les États étaient méchants. Je n'ai pas du tout voulu dire ça. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une impuissance. Il y a une impuissance des États à sortir, dans ces négociations climatiques, à pouvoir sortir avec un accord. Impuissance qui est liée à des tas de choses, mais qui est liée aussi à plusieurs dizaines d'années pendant lesquelles on nous dit qu'il y a eu une dévalorisation systématique du politique, de la capacité de réglementation du politique. Si on enlève au politique sa capacité à réglementer, il n'a absolument plus aucun rôle. Or, depuis 30-40 ans, nous vivons dans une idéologie, je dirais, qu'on appelle néolibérale, qui a consisté à dire que moins l'État intervenait, mieux on se porte, et que finalement, au lieu de gouvernement, on parle de gouvernance, hein, et qu'on peut très bien intégrer dans cette gouvernance des entreprises qui, elles, savent très bien faire les comptes. Et aujourd'hui, les négociations des Nations Unies sont littéralement colonisées par des lobbies industriels et financiers. Ce qui n'était pas le cas, ou en tout cas beaucoup moins, en 1997. Et donc ce sont les États qui se sont démis d'un certain nombre de fonctions. Et la difficulté, c'est le livre de Naomi Klein qui explique très bien cela, c'est que ce problème du changement climatique arrive à un moment où justement... Il y a eu un affaiblissement des sociétés, affaiblissement du politique, alors qu'on aurait besoin, justement. Donc là, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. En revanche, le fait que ces négociations soient colonisées par des intérêts qui sont autres que l'intérêt général, ça, je pense qu'on peut le dire. Alors, sur la société, je suis entièrement d'accord avec vous. Les citoyens que nous sommes, individuellement et collectivement surtout, on peut faire, il y a des tas de choses qui peuvent être faites. Mais je m'inscris un petit peu en faux aussi par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que comment faire adhérer les gens. Vous savez, je pense que le monde qu'on doit quitter aujourd'hui, il n'est pas folichon, il n'est pas extraordinaire. Quelles sont les promesses de ce monde aujourd'hui ? Du monde dans lequel nous sommes. Quelles sont les promesses auxquelles nous serions très très attachés au point de résister, pas vouloir le quitter? Quelles sont les promesses? Bon, les promesses, c'est éventuellement l'éternité, la meilleure santé, vivre jusqu'à 140 ans. Voilà la promesse fondamentale. Pour le reste, on nous dit que les inégalités, on ne peut rien faire, que etc. C'est des guerres, c'est le changement climatique. Donc moi, je pense, je fais un autre pari. C'est de dire que je pense qu'il ne faudrait pas beaucoup pour qu'il y ait des bouleversements extrêmement importants dans les habitudes de vie et dans les rêves aussi. Parce que ce monde-là, il n'est pas enviable. Le capitalisme, à d'autres périodes, a pu faire des promesses. Certains y ont cru, peu importe. Mais il pouvait être capable encore de porter des promesses. Quelles sont les promesses du monde d'aujourd'hui? Alors que justement, dans les alternatives, et c'est la force d'Alternatiba et d'autres alternatives, il y a l'idée d'un monde soutenable, etc., mais d'un monde joyeux aussi. C'est pas simplement, ce ne sont pas simplement des revendications tristes. Et donc c'est très important d'inventer un nouveau récit qui montre bien que les promesses éventuelles, elles ne peuvent pas être portées par les énergies fossiles aujourd'hui. C'est la mort que portent les énergies fossiles. En revanche, toutes les expériences alternatives, là, il y a des promesses. Bon, et quant aussi à la fête de la sortie des énergies fossiles, personne n'a dit que c'était demain matin la sortie des énergies fossiles et qu'on allait dire à l'Arabie Saoudite, n'oublions pas aussi au Venezuela, etc., terminez maintenant. Mais Christophe a très bien rappelé que quand il y a des États sur le plan commercial qui ne respectent pas la concurrence libre et non faussée, eh bien, d'autres États, voire aujourd'hui maintenant, si le TAFTA passe, des entreprises pourront porter plainte contre ces États. Et il y a des sanctions là. Pourquoi n'y aurait-il pas des sanctions prévues par rapport à des États qui, de façon consciente, parce que nous savons aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, nous savons. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et c'est pas du tout, les États ne sont pas méchants. En revanche, ils peuvent être très nuisibles. Alors, moi, je voulais dire un mot sur la question de monsieur, parce que c'est vrai que ça touche aussi la question, en France, de comment faire pour que l'ensemble de la société française, et pas quelques convaincus qui sont déjà dans des associations, etc., puissent partager un projet social qui soit joyeux, optimiste, dans lequel on rentre dans une transition. La situation actuelle, et on va peut-être malheureusement le voir le jour de la fin de la COP, ça sera aussi le deuxième tour des régionales, c'est une espèce de populisme qui est aussi un populisme climato-je-m'en-foutiste. Hein, le discours du FN sur le climat, c'est « oh, on veut nous augmenter la taxe sur le pétrole » ou ce genre de choses, qui est complètement dans une frilosité plus large, une frilosité identitaire, un égoïsme qu'on a vu cet été sur la question des migrants, parce qu'on est dans une société frileuse ou de précarité où plus personne n'arrive à se projeter d'une façon optimiste et collective vers l'avenir. Et peut-être que la question, effectivement, pour construire un projet collectif qui emballe l'ensemble des Français, c'est de convertir les idées alternatives de transition, etc., en nombre d'emplois. Combien? Et de faire un travail où on revient vers les Français en 2017 pour dire, ben voilà, on vous propose, et on a fait des calculs et c'est du sérieux, de créer 500 000 emplois dans la petite agroécologie paysanne, avec des filières courtes, avec les cantines municipales qui passent en bio pour tout le monde, pour que la bio soit pas pour les bobos, mais soit pour l'ensemble de la population. On vous propose 500 000 emplois dans la rénovation des bâtiments et l'efficacité énergétique. On le sait que ça représente ça en vivier d'emploi. On vous propose 500 000 emplois pour l'installation et la maintenance des énergies renouvelables. Voilà. Si on est capable de proposer 1 500 000 emplois sur 5 ans, c'est un véritable changement dans la façon dont les Français verront l'avenir, parce qu'ils verront que le politique est capable de nouveau de changer la vie, de redonner de l'espoir, de redonner de la sécurité aux gens. Et effectivement, je pense que c'est seulement à cette condition-là que l'écologie sera populaire et qu'on n'aura pas des réactions populistes en permanence, type bonnet rouge, type FNSEA et le genre de, de manifestations de populisme écolo qu'on a de leur côté. Alors on me dit qu'il n'y a plus de questions, ouais, que, non, qu'on n'a plus la possibilité de prendre d'autres questions parce qu'on a trop parlé. Il y a la librairie Ombre Blanche qui attend à l'extérieur, donc il y a des gens aussi qui veulent acheter des livres signés. Donc on est obligé d'arrêter là, on est tout à fait conscient que... Et nous on reste à votre disposition de toute façon. Voilà, il y a des personnes qui restent à votre disposition. On vous remercie.